Sierra, pilote officiel de Urban 2. Un quadricycle électrique conçu et réalisé au lycée technique de Cesson-Sévigné, qui sur l'asphalte de Valenciennes a fait des étincelles. Face à 76 autres projets de 7 nationalités différentes, elle est arrivée en tête grâce à sa très faible consommation. On a d'assez bonnes sensations parce qu'on est assez près du sol. Et dans les virages, on va pas dire que c'est un karting, mais c'est pas non plus une voiture, c'est pas non plus très stable. Le but, avec le moins d'énergie possible, parcourir une distance imposée à une vitesse minimale de 25 km/h, la vitesse moyenne d'une voiture en ville. Record battu, avec un petit litre d'essence, Urban a parcouru 735 km. Pneus de compétition, jantes de Harley importées d'Espagne, rien n'a été laissé au hasard. Par exemple avec les plaquettes, quand il y a des frottements, ça va ralentir et donc utiliser beaucoup plus d'énergie sur la batterie. Ou les frottements avec la route, quand il y a trop de frottements, il y aura une surconsommation et donc il faut éviter ces frottements. Mais nos lycéens ont également obtenu le prix de la sécurité avec un éthylotest intégré et, en cas de choc grave, un SMS envoyé au secours pour localiser le véhicule. On a utilisé du bois, on a utilisé du carton pour faire les sièges, les deux sièges d'Urban 1 et d'Urban 2. On a utilisé du bois pour faire les volants, des matériaux assez légers pour que ça aille plus vite. Donc on a aussi fait des trous dans les pédales pour que ça soit plus léger. Les élèves des différentes sections du lycée ont réalisé et assemblé Urban en dehors de leurs heures de cours. Prix de revient du prototype, 5 à 6 000 euros.